i Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. Alors, écoutez, je vais aller chercher ça un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, euh, je vous fais ma première impression et ça va vraiment être une première impression de Tabanouti Builders of Earth, donc un nouveau jeu de Daniel Tassini, David Spada, de Board and Dice, qui continue la fameuse gamme des jeux en T, parce qu'ils commence tout par la lettre T, si vous posez la question pourquoi je dis ça. Tekenu, Teotihuacan, il Tabanouti et Tewantinsuyu, qui sont donc les quatre jeux qui sont sortis dans la gamme, qui sont des jeux de type Euro, un peu plus euh, peut-être un petit peu plus lourd, comme on dirait. Et euh, Tabanouti, bien, il ne va pas nécessairement briser cette, cette tendance-là. Qu'est-ce que je pense de ce jeu-là, Tabanouti? Euh, je vais vous avertir que ce jeu-là, euh, c'est un jeu que je me suis procuré moi-même, donc ça ne provient pas d'une commandite. Euh, et euh, c'est un jeu que j'ai joué deux fois, donc c'est pour ça que je parle vraiment d'une première impression. Et uniquement en solo, mais le solo émite pas mal le jeu en multijoueur. Enfin, je suis capable quand même, je pense, de, de voir un petit peu euh, le, côté, euh, le côté multijoueur du jeu, même si j'ai joué en solo. Je ne serais pas tendre en faire ce, envers ce jeu-là pour un des aspects qui est le livret d'instruction ici. C'est une vraie instruction et envers le jeu en solo en général. Je pense que c'est une des premières fois où je vais vous dire ceci. Je pense que ce jeu-là n'est définitivement pas un jeu. En fait, c'est pas vrai. Ce que je veux dire vraiment, c'est que je pense que le solo, le, le design solo n'est pas pour tout le monde. Et je ne sais pas si c'est la première fois que Daniel Tassini, qui est euh, d'ailleurs crédité pour avoir fait le solo mode, tout... Eh bien, on voit que c'est écrit le game development, c'est écrit... Euh, que David Turzi fait partie du développement du jeu, mais David Turzi n'a pas signé euh, le solo. Est-ce que c'est à cause de la fameuse controverse qu'il y a autour de ce jeu-là Vous savez que euh, Daniel Tessini a eu une controverse euh, par rapport à des commentaires qu'il a fait au début de l'année 2021. Euh, Semble-t-il que tout serait, tout serait résorbé et qu'il se serait rétracté et qu'il aurait même fait amende honorable, d'après ce que j'ai pu comprendre parce que Board and Dice avait décidé de ne pas travailler avec lui. Il avait même fait, sur Internet, j'ai même trouvé des, euh, des documents qui disent que Board and Dice se dissociait de Daniel Tassini. Et euh, j'ai jamais retrouvé après ça d'autres informations, mais euh, selon mes sources, il euh, y aurait donc euh, peut-être même ouvert une fondation. En tout cas, je ne sais pas, mais il aurait fait amende honorable par rapport à ce qu'il a, qu a, qu a dit. Et euh, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont voulu se dissocier de Daniel Tassini. Donc peut-être que David Turzi a commencé à faire le, le développement et que finalement euh, euh, Daniel Tassini a, a été obligé de terminer son solo tout seul. Le solo de ce jeu-là, il est, je vous dirais, je pense, un des pires solos à apprendre euh, pour différentes raisons. Je vais commencer par le jeu. Je vais commencer par vous présenter, si vous n'avez pas regardé ma session de jeu, donc voici le plateau de, de jeu. Donc, ce que je vous présente là, c'est le, le plateau final de, de, de ma partie. Euh, donc, au niveau du matériel, c'est quand même bien... Je vous dirais que le plateau, il est magnifique. C'est un beau plateau qui représente la cité dure qui est ici, là, et on voit qu'elle est entourée d'une grande muraille. Et la Cité-Dure, c'est un, un plateau qui est recto verso. Et il y a trois districts, en fait, c'est pas vrai, il y a cinq districts dans la Cité-Dure. Et ces districts-là sont représentés par, bon, c'est entrecoupé de, euh, de genre de petites rivières, euh, on a un port qui est juste ici. On a une ziggurat, un endroit de ziggurat là. Puis on a des mastery tracks euh, qui sont juste là. Donc, je trouve que c'est un beau plateau qui est très usuel, qui fonctionne très bien. On a des endroits pour mettre les cartes, des, les jetons de projet. Euh, on a des, des endroits pour mettre ici les, euh, les cartes de, de scoring. Toutes les endroits pour placer les fameux bateaux. Bon, il faut juste avoir une grande imagination que ce que vous voyez là, c'est un bateau. Mais en fait, je pense que c'est une voile. C'est comme ça que je le vois plus du bateau. C'est un jeu qui est très abstrait, OK? Je vais vous le dire tout de suite. Là, je le considère comme étant un jeu abstrait. Euh, mais au niveau de la qualité du matériel, je vais finir avec ça. C'est quand même bien dans l'ensemble. C'est des, des petites tuiles qui sont quand même de bonne qualité. Ils ont tout un, un petit fini tissé par-dessus. Les, euh, les plateaux de joueurs sont corrects. On a des beaux petits jetons, euh, des claim markers, comme on dit. J'ai les termes en anglais, je m'excuse parce que j'ai jeu en anglais, euh, qui sont faits en bois. Euh, on a les cartes de l'Automa qui, une fois qu'on a compris son fonctionnement, qui sont bien faits, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu, mais ce qu'on a comme carte, c'est quand même de la bonne qualité. Fait que je vous dirais qu'en général, vous achetez pas n'importe quoi au niveau euh, de la qualité du jeu en tant que tel, au niveau du matériel. C'est un jeu qui. Je ne me souviens plus du prix exactement, mais je pense que c'était une soixantaine de dollars que, que, que le jeu m'avait coûté. Donc ce n'est pas un jeu qui est excessivement dispendieux. Si je vous parle du jeu en tant que tel, c'est un jeu de dés. Okay. C'est un jeu qui est assez spécial, parce que, euh, puis je vous dirais que je n'ai pas vu ça, où il y en a des jeux qui ressemblent à ça. Mais ce que je veux dire que c'est un jeu de dés, c'est que c'est un jeu où on va avoir deux personnages, on va avoir un architecte, puis on va avoir son aide. Puis au début de la ronde, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur un lieu, et là, on doit choisir parmi les dés qui nous restent, un dé. Par exemple, ici, si je prenais le dé 4, donc ça, ça veut dire que mon architecte, au prochain tour, ça veut dire que mes tours vont se passer là. Et ça, après ça, ça devient une ressource. Donc les dés ne servent uniquement qu'à être lancés pour être, les placer sur les petits bateaux qui sont là. Et dépendamment du chiffre, ça va être les prochaines actions qu'on va faire. Donc il y a beaucoup de réflexion, mais ce n'est pas tant un jeu de placement d'ouvriers. Oui, on place un ouvrier, mais on ne va pas choisir parmi des tonnes. De, de, de choix, mais en même temps je vous dis ça, puis ça dépend toujours comme ici, voyez-vous, j'ai un 2-3, donc je peux placer un 2-3, puis j'ai un 6. Le 6 me permet d'aller jouer sur n'importe quel autre endroit qui ne sont pas sur les dés. Il y a beaucoup de possibilités avec ce jeu-là. On est très rarement bloqué par les dés, et je trouve vraiment très original le concept de prendre le dé et que ça devienne une ressource qu'on va pouvoir utiliser après ça pour construire nos bâtiments, parce que le jeu, il est essentiellement un jeu de construction de bâtiments. Euh, puis, on a aussi des, euh, des, des, des lingots d'or qui sont des wild, donc qui peuvent être, qui peuvent être construits comme n'importe quelle couleur après ça. Puis, je vous dirais qu'en en gros, euh, on a aussi des, bon, des projets. Le, le but, c'est comme je vous dis, c'est d'aller à un endroit puis de faire les actions qui sont positionnées à chacun des endroits qui sont là. La majeure partie des endroits, c'est quatre actions. Et on a le port et on a les, la zigourate, où on a trois actions chacun euh, aux zigouras je ne sais pas comment le dire, là. mais on a trois actions chacun, puis on va, le but, c'est donc de s'organiser pour pouvoir accomplir les éléments de notre carte de départ. Comme moi, dans ma partie, il fallait que je place au moins deux bâtiments dans ce, dans ce district-là et trois bâtiments dans ce district-là pour me faire 10 points de victoire. Et on a aussi des, aléatoirement, là, on va choisir des cartes euh, que tout le monde va compétitionner pour aller chercher des points de victoire ici, euh, puis là, je, je me rends compte que dans ma partie, je suis même pas sûr que je me suis donné mes 8 points de victoire supplémentaires. En tout cas, bref, c'est pas bien mais grave, rendu où je suis rendu. Mais euh, donc, on, il y a quand même beaucoup de stratégies pour placer les couleurs. Il y a trois couleurs de bâtiments, des, des bâtiments blancs, des bâtiments bruns, des bâtiments dorés, ben, jaune Puis euh, le but, c'est de bâtir, donc, de construire ces bâtiments-là selon un, un. En établissant des grosseurs, comme là, ici, mon bâtiment, là, c'est trois bâtiments blancs. Qui correspond à un seul d'une grosseur de 3. Euh, puis il y a aussi le concept de placer des tuiles de verdure. Et lorsqu'un bâtiment est à côté d'une tuile de verdure, c'est comme si on avait un carré de plus à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et pourquoi? Parce qu'on va avoir des phases de scoring. Quand il n'y aura plus de dés à un endroit, on va, on va scorer le district en fonction de où se situent nos jetons sur la piste qui est là. Et plus le jeton est haut, plus on va se faire des points en fonction des bâtiments qu'on a de chacune des couleurs dans chacun des districts. Ensuite, on va relancer les 5 dés. On va relancer les 5 dés. On va les replacer là. Et là, ici, on, a des... on, va... on va avancer. On va le faire cinq fois. Donc, il va y avoir cinq phases de scoring avant qu'on fasse une dernière phase où on va scorer chacun des districts par la suite pour finir la partie. Donc, c'est ça essentiellement le jeu. Et je vous dirais que le mécan... les mécaniques du jeu sont quand même le fun. Sont intéressantes. C'est le fun. Ce que j'aime beaucoup dans les jeux hantés, c'est le sentiment de justement bâtir quelque chose. Théotihuacan, le fait de, de bâtir la fameuse pyramide au centre, j'ai toujours aimé ça. Et là, le fait d'avoir de, de l'impression de vraiment bâtir, de, de construire des bâtiments dans des districts de la cité dure, je trouve ça quand même cool comme concept, même si c'est excessivement abstrait. Je vous le dis, c'est un jeu qui est abstrait, comme à peu près tous les jeux euros, par contre, là, je dois vous dire. On va se faire des points en fonction des maisons. On se met des maisons dans un port. Je ne comprends pas trop. Euh, mais on va se faire des points en fonction de, du placement de nos, nos jetons avec les maisons. C'est très abstrait. Puis pourquoi est-ce que dans un port, ça va nous donner, chacun des bâtiments va nous donner un, euh, un bonus? Bon, bref, beaucoup de choses à faire. C'est un jeu qui est quand même relativement simple au niveau de ses choix. Donc, qu'est-ce qu'on a en à faire? Tout est quand même bien expliqué. Les iconographies sont pas super euh, intuitives, je vous dirais. Euh, c'est pas, euh, euh, il a fallu vraiment que je m'habitue, puis même encore des fois, surtout pour les flèches pour montrer sur les les mastery track, c'est pas encore toujours clair, c'est quoi qu'il faut que je fasse avec ces flèches là après deux parties. Mais c'est sûr que pour ce qui est les iconographies, vous le savez, euh, quand on a joué plusieurs parties, on finit par s'y habituer, puis c'est correct. Mais en général, je vous dirais que c'est un c'est un bon jeu. J'ai bien aimé ça. Et c'est un jeu que je vous dirais que j'aimerais jouer à multijoueur. J'aimerais ça faire une partie à deux, trois, peut-être même quatre joueurs. Euh, j'aimerais ça l'essayer, pas avec le solo. Le solo, il a un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que ce livret-là, il est exécrable. Je vous dirais qu'il est exécrable pour deux raisons. Premièrement, ce n'est pas qu'il est mal expliqué. Je vous dirais que... Même que le, le, la première partie, elle est bien expliquée. Le, le, la partie du jeu, il y a des exemples, il y a des présentations, c'est bien fait. Le jeu solo a presque autant de pages, ok. Le jeu solo a presque autant de pages que le jeu multijoueur, parce que c'est un solo qui est assez complexe. Mais la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas aucun exemple dans le solo. Regardez. Ça, là, c'est l'explication des actions. Il n'y a aucun endroit où on a mis des exemples. Et c'est très important, très important d'avoir un exemple. Et je, je ne peux pas concevoir, il n'y a pas d'aide de jeu dans ce jeu-là. Ils n'ont pas inclus aucun foutu aide de jeu. Ça, c'est inacceptable en 2022 dans le monde des jeux de société, de ce type-là, quand tu sais que les autres que ce soit Suyu, que ce soit Tekenu, que ce soit Teotihuacan, ont des aides de jeu. Il a fallu que j'aille sur Board Game Geek pour aller me chercher une aide de jeu en lien avec, euh, avec le solo. Il a fallu que j'aille cherché une aide de jeu sur Board Game Geek pour les actions du multijoueur, qui sont les actions qu'on fait, nous, quand on joue en solo. C'est inacceptable. Inacceptable. Et c'est tellement abstrait. c'est tellement Il y a tellement d'éléments pas expliqués. Euh, ce ce concept-là des cartes de victoire du, de, de l'automa ne sont pas expliqués euh, Le fonctionnement des cartes d'automa une fois qu'on le comprend, ça va bien. Mais la manière que c'est présenté dans les règles, moi, moi ça n'a pas cliqué. J'ai eu la difficulté à comprendre. Je vous le dis, il a fallu que je m'installe. Ma première partie, c'était une partie pour étudier le jeu en solo. J'ai fait une partie de 5 heures parce que... Je suis allé sur Boarding Geek, j'ai posé des questions, vous irez voir d'ailleurs sur Borgen Geek, vous allez voir des questions de ma part, il y avait des éléments que je ne comprenais pas, il y a des éléments qui ne sont pas clairs. Après avoir joué ma deuxième partie, je peux vous dire que c'est clair. Donc si vous allez voir ma partie, je pense avoir fait des erreurs, c'est sûr que j'en ai fait parce que c'est un jeu qui est complexe, puis quand on joue en solo, qu'on filme, il va y avoir des erreurs. Mais je pense que j'ai compris comment fonctionne maintenant Là, Vous allez dire, ouais, mais Martin. Martin Martin, mais deux parties pour apprendre un automa, il n'y a rien là. Je vous rappelle que la première partie, j'ai passé cinq heures. Je allé sur Gorgon Geek. J'ai lu des commentaires. J'ai posé des questions. Euh, je me suis fait imprimer des, des aides de jeu. C'est très très difficile d'embarquer dans le solo. C'est sûr que là maintenant vous avez ma vidéo. Puis j'ai aussi regardé la vidéo de Paul Grogan de Gaming Rules qui a fait une partie avec son ami pour vraiment bien comprendre, et quand vous regardez cette vidéo là, vous vous rendez compte que même Paul Grogan et son ami ont des éléments de règles qui ne font pas comme il faut, qui font tout croche parce qu'ils sont pas cl... parce que le solo n'est pas clair. Donc, c'est pour ça que c'est ma première mise en garde. Donc, ce que je, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Et en plus, le solo, je pense qu'il n'est pas, euh... je pense qu'il n'est pas balancé. Je pense pas qu'il est balancé. Écoutez, je... je vais faire un spoiler donc charge Pour ceux qui n'ont pas regardé ma partie, et qui veulent vraiment se rendre jusqu'au bout, je sais pas qui qu'il y en a combien de personnes. Mais j'ai gagné 143,97. Et l'automa que j'avais, qui est un automa spécifique, qui allait chercher des tuiles de, de Garden, okay, parce que ça, c'est une carte qui va aller en fonction que si l'automa, la, la, la flèche pointe en direction de, ce, de ça ici. Alors, j'ai ramassé, je ne sais pas comment, comment ça va avoir l'air sur mon green screen, là, mais j'ai ramassé tout ça de, de jetons de de, de Garden pour l'Automa, que je n'ai pas été en mesure de placer, que l'Automa n'a pas placé, et l'Automa en a placé quand même énormément. Là. Ok, il en a placé beaucoup. Regardez ici là. ça c'est toutes des tuiles que lui a placé, mais ça ça n'y a pas donné grand chose. Oui ça y a donné des points, mais il s'est pas fait beaucoup de points. Donc le, la carte d'Automa que j'ai pas aimé, parce qu'il y en a quatre dans le jeu, celui-là il est débalancé par rapport au nombre de points. C'est trop facile. L'autre que j'ai joué, il m'a battu. Mais j'ai peut-être fait des erreurs. Mais il m'a donc remporté la victoire par quelques points. Fait que ça peut être mieux. Mais je trouve qu'il manque peut-être un certain balancement. Comme là, il n'a pas bâti assez de bâtiments sur sa carte qui est là, qui est une carte qui, qui lui dit combien de bâtiments il veut bâtir à chaque endroit. Il n'en a pas fait assez. Et ces bâtiments-là, c'est ça qui donne des points de victoire. Si tu ne bâtis pas, tu ne fais pas de points de victoire. Et sa carte de base... Ne demande pas de bâtir. Donc, sa carte d'Otoma ne fait pas de demande de bâtir autre chose. Donc, je ne je, je sais pas. Fait que je vais vous donner ma, ma vision finale du jeu, puis je vais vous, je vais vous laisser avec ça. Tabanouti, euh, c'est un jeu qui, pour l'instant, va rester dans ma ludothèque parce que je veux y jouer en multijoueur. Euh, je lui dirais que je vais lui donner un pouce sur le côté pour ce qui est du jeu en multijoueur. Parce que des quatre Bon, je n'ai pas essayé encore Soyu. Mais des deux autres, qui est Tekenu et qui est Teotihuacan, c'est le moins bon des trois. Mais c'est quand même pas un mauvais jeu. Moi, j'ai apprécié ce que j'ai fait. Okay? Bon, ça, c'est une chose. Pour le jeu solo, je vais lui mettre un, un pouce vers le bas. Je ne pense pas que le jeu solo, il est mauvais une fois qu'on comprend son fonctionnement. Je ne suis pas sûr qu'il est balancé. Est-ce que c'est parce que Daniel Tassini pas, euh, a pris le design initial de David Turzi et que ça a donné ça je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce design-là, mais je peux tout de suite vous dire que ça, ça me prouve que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire des solos. Ce n'est pas facile de créer des, euh, des automas et là, je m'en suis rendu compte avec ça. Enfin, je suis peut-être dur, il y en a peut-être qui vont dire mon euh, Martin, j'ai aucun problème avec le solo, mais euh, juste avoir la quantité de parties solos qu'il y a sur inter Internet. Et là, je parle anglais-français, il n'y en a presque pas. Euh, je pense pas que les gens sont très... Moi, j'ai failli abandonner, hein, je vous le dis, je vais finir avec ça. Je dois vous avouer que dans ma première partie, à un moment donné, j ai, j ai vraiment, je me suis vraiment assis, j'ai fait comme, je comprends rien, ça marche pas, je présenterai pas ça, j'ai passé proche de tout ranger le jeu puis de vous faire une première impression en disant, laissez faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ma partie, J'étais allé voir la vidéo de Paul Grogan pour suivre l'évolution de ces cartes-là puis comment... Comment l'Automa fonctionnait avec ces cartes-là. J'ai regardé la vidéo d'un autre YouTuber qui lui fait des erreurs, qui n'a pas compris le fonctionnement. C'est en anglais, là, qui n'a pas compris le fonctionnement euh, de ces cartes-là. Donc, ce n'est pas, pas évident. Ce n'est pas facile. Donc, si vous aimez ces styles de jeu-là, allez-y. Mais si vous n'avez pas de jeu de gamme en T, je pense que les trois autres, puis si je me fie à mon ami Etrigan, qui a parlé de «Tewantin Suyu», en regardant sa vidéo, je voyais qu'il qu appréciait beaucoup le solo de «Tewantin Suyu». Euh, je pense que c'est le moins bon des trois jeux, même s'il a des qualités et même s'il est quand même très agréable. Euh, je n'ai pas le choix de lui donner cette vision-là. Alors voilà, c'était Tabanouti, euh, donc euh, Builders of Earth. J'espère que vous avez apprécié et si vous voulez en, en apprendre un peu plus sur le solo, ben, je vous invite à aller voir euh, mon épisode 0 et surtout mon épisode 1 pour que je vous... je pense que je présente bien le fonctionnement du solo en général. Alors voilà, je suis un peu déçu de vous faire ce type de vidéo-là, un peu déçu du jeu, mais euh, c'est quand même pas mauvais. Voilà. Euh, Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commentateur le valet de cœur au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye!